Oui, bonjour. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment installer un serveur, comment installer un WFM, qui est une interface de gestion des sites Internet sur un serveur Alma Linux 9. Donc, généralement, si vous avez acheté un serveur VPS, donc généralement c'est vite, dès que vous devez vous charger vous de faire l'installation de l'interface WFM ou de tout autre serveur que vous pouvez. Donc, c'est vrai qu'il y a WHM à ses compétiteurs. Mais en ce qui concerne Linux, généralement, le WHM, c'est pratiquement le meilleur. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre les étapes et voir comment installer un WHM sur un serveur web. Ok, donc, la première chose que vous allez faire quand vous allez certainement acheter un nouveau serveur, la première chose que vous allez faire lorsque vous achetez un nouveau serveur, généralement c'est vite, il faudra donc faire ce qu'on appelle définir le nom du serveur, donc hostname. Et dans ce cas, la syntaxe à utiliser, c'est généralement quelque chose de similaire à ceci. En gros, hostname control set hostname. Donc, bon, là, ça c'est le nom de domaine que j'ai à pointer sur le serveur. Et ensuite, vous allez faire ça. Et une fois que c'est fait, il sera question pour vous de vérifier que le nom du serveur a bien changé. Donc si je fais ça, donc vous voyez ici que le nom du serveur a changé. Ok, et là je vais donc procéder avec l'installation du WHM. Ok, l'étape 1 va consister à lancer la requête uupdate qui permet de tout simplement mettre à jour le serveur et installer les composants dont j'ai besoin pour mon projet. Donc là, je vais cliquer sur Yes. Ça prend quelques minutes pour finaliser l'installation. Ok, donc une fois que c'est fait, donc là, je vais essayer de faire une mise à jour du système. Donc là, il n'y a rien à faire. Et je vais installer la commande curl, donc qui permet de récupérer les données, qui permet en fait de copier les informations à partir d'un serveur à distance sur le serveur. Donc là, je vais installer, je clique Yes. Et bien, quand j'ai fait, ce que je veux faire, je vais donc me déplacer vers le répertoire principal du serveur qui est généralement home. Et ensuite, je vais copier à partir de l'emplacement du cPanel une copie du logiciel d'installation du WHM. Donc là, c'est fait. Et je vais donc utiliser la ligne de commande shdtest pour être en mesure de faire l'installation de mon serveur, de mon WHM. Ok, donc quand c'est terminé, normalement si vous regardez entre les lignes, vous allez voir ce lien ici qui permet de connecter pour compléter avec la configuration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je copie et je viens ici, je vais aller sur le navigateur, je vais coller ça. Et là, ça va me proposer un message de bienvenue. Je clique sur bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre le temps de lire un peu les conditions générales de cPanel, donc pour mieux comprendre ce que ça implique d'utiliser le logiciel et tous les termes et conditions et tout ce que ça comporte en fait. Et je clique sur suivant. Et là, je vais mettre, bon, moi j'ai une adresse courriel que j'utilise pour ça. Ok, je vais utiliser support à commercial. J'utilise ceci. Et
OK, donc là, c'est fait. En principe, c'est terminé. Donc, la seule chose que je vais vraiment prêter votre attention, c'est que généralement, lorsque vous installez AWHM, si votre adresse IP n'est pas associée à un compte de AWHM, vous allez devoir éventuellement sélectionner la version d'essai qui est pour 2 semaines. Et après les 2 semaines, vous allez devoir payer un certain montant. Bon, je vous invite à aller sur le site internet de ePanel pour voir les tarifs et voir en fait un peu comment ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est que lorsque vous allez cliquer par exemple sur le bouton pour accepter les conditions et aller sur suivant, on va vous demander de choisir de commencer la version d'essai. Et en commençant cette version d'essai, vous allez être en mesure de sélectionner les différentes options et ajouter les options de paiement et éventuellement commencer l'essai pour 2 semaines et jusqu'à ce que ça finisse et vous commencez à payer. Et merci beaucoup d'être présent de m'écouter. J'espère que ça va vous aider. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe pour l'installation des nouveaux serveurs. C'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si éventuellement vous n'avez pas de compétences en développement ou en gestion des serveurs, vous pouvez nous contacter. Ce serait un plaisir de vous accompagner. À bientôt.